Bonjour à tous. Vous avez sans doute remarqué que quand on regarde Polaris, la nuit, on voit toutes les autres étoiles qui tournent autour d'elle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et si je me trouve dans l'hémisphère sud et que je regarde en direction du sud, je verrai les étoiles tourner autour de la croix du sud ou à peu près dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous m'arrêtez si je me trompe. Donc je voudrais vous montrer, en imaginant que nous sommes à l'intérieur d'une sphère céleste et non d'un simple dôme, d'une demi-sphère, mais une sphère complète, on va voir que c'est possible, que ce mouvement est possible de ce point de vue-là. Donc je vais toujours faire tourner ma sphère ou mon citron dans ce sens-là. Mais selon que je vais regarder vers le pôle nord, hop. Donc là je regarde vers le pôle nord, j'ai inversé mais c'est pas grave. Quand on regarde d'un côté d'un pôle, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on regarde vers l'autre pôle, donc toujours en tournant dans le même sens, quand on regarde en direction maintenant de l'autre pôle, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord ? Donc en fait, ma sphère tourne toujours dans le même sens, ma sphère céleste tourne toujours dans le même sens. Mais selon que je regarde vers le pôle nord ou vers le pôle sud, on a le sens donc qui est inversé. Comme ce qu'on observe dans la réalité. Voilà, merci de réagir. Bonne journée.